Il faut rappeler, c'est la complexité en fait de ce qu'est l'agroécologie. Beaucoup de gens l'ont dit d'ailleurs à certains moments, c'est des formes d'agriculture simples, c'est des pratiques simples, c'est des pratiques qui sont basées sur les savoir-faire locaux. Pour autant, ce n'est pas forcément simple. Et en fait, il y a une grande complexité dans la mise en œuvre de l'agroécologie, d'une part au plan technique, parce que l'agroécologie, c'est un ensemble de principes à respecter autour de la gestion des ressources naturelles et autour de la mise en œuvre des pratiques, mais aussi parce que l'agroécologie va bien au-delà de la question agro-environnementale pour aborder les questions de viabilité, rentabilité économique et les questions de résultats et de respects sociaux. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que l'agroécologie, c'est aussi une logique de complémentarité en matière d'acteurs. Mais en matière d'acteurs, parce que un producteur ne peut à lui seul régler tous les problèmes auxquels il a à faire face, toutes les contraintes auxquelles il a à faire face pour produire. Et donc il a absolument besoin que l'environnement dans lequel il produit soit un environnement porteur. Et là, différentes organisations, différentes institutions ont un rôle à jouer fondamentalement pour que l'environnement de production soit un environnement porteur qui assure lui aussi la durabilité de l'activité agricole. Et enfin, l'agroécologie, c'est aussi, et on en a parlé, une complémentarité d'échelle. De la parcelle à l'exploitation au territoire, il y a des complémentarités qui se mettent en place. On n'intervient pas de la même manière quand on raisonne un système de culture ou un système d'élevage à la parcelle, ou quand on raisonne la diversité des activités agricoles et leur complexité à l'échelle de l'exploitation, et encore moins quand il s'agit de mettre en valeur un territoire au sein duquel l'agroécologie peut se développer.